dramatique. Il y a seulement 3 heures, le petit Kevin s'est fait enlever. On va faire un appel à témoins. Si vous avez entendu ou vu quoi que ce soit, appelez le 1.44999. Maintenant, je vais partir dans la ville chercher des témoins. Hé, Jean-Claude ! Ouais ? Ça va ? Bah ouais, ça va. Bah oui, je sais que ta femme est malade. Mais non, mais... Ouais, bref, salut. Ça tombe ? Mmh. Ah. Donc, nous sommes en compagnie du sergent... Toretto. Qui va nous donner ses informations sur l'enlèvement du petit Kevin. Donc, avez-vous ouvert une enquête ? Nous avons ouvert une enquête pour retrouver le kidnappeur de ce pauvre petit enfant. Mais pour le moment, c'est l'heure de l'apéro. D'accord, votre aide sera précieuse. Allez prendre votre apéro et nous, on mène notre enquête. Je vois des témoins qui ont l'air de savoir quelque chose. Allons les voir. Bonjour, savez-vous quelque chose qui concerne l'enlèvement qui a eu lieu ce matin? Bonjour très cher. Nous sommes tout d'abord Jean-Philippe et Marie-Antoinette de Châtel-Perron. D'accord. Effectivement, j'ai ouï dire qu'un enlèvement a été commis. Oui, c'est exact. J'étais en train d'arroser mes tulipes et là, la gouvernante arrive et m'explique la nouvelle. Sûrement des jeunes du quartier. Effectivement, 3 jeunes ont pris un petit garçon, l'emmené dans son véhicule terrestre motorisé de pauvres petits et apparemment sous la menace d'un couteau. D'accord, merci beaucoup pour cette aide précieuse. De rien, ma chère. Nous avons quelques indices en plus. Alors, je vois un témoin à peu près normal. Allons le voir. Suivez-moi. Oula, pardon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler de l'enlèvement qui a eu lieu ce matin? Pourquoi? Ça vous pose un problème? Non, mais je voudrais savoir si vous avez vu ou entendu parler de quelque chose. C'est pas moi. C'est qui? J'étais pas là, moi. C'est qui? C'est Hugo. Mais il y a personne, monsieur. Si, il est là, Hugo. Il y a personne, monsieur. Hugo. Il y a personne. Hugo. Il y a personne. Avez-vous entendu parler? C'est pas moi, c'est Hugo qui a dit. C'est Hugo, il m'a tout dit. Qu'est-ce qu'il veut? Il y avait 4 types. Quatre types. Ils ont pris un bébé. Un bébé? Oui, un bébé en forme de bébé. Est-ce que vous avez vu la voiture? C'était une trottinette. D'accord. Merci pour votre témoignage. Ça nous arrange pas grand-chose. Hein. C'est bon, on est à la coiffure? Oui, mais ça tourne. Ah, alors bonjour. Donc, on va trouver d'autres témoins. Allez, c'est parti. Et t'as pas de micro non plus? Aussi. Ah, voilà, on en a deux là. C'est moi. C'est la délire! Bonjour, quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Moi c'est Mindy, moi c'est Sandy. D'accord. Est-ce que vous avez vu ou entendu parler de l'enlèvement qui a eu lieu ce matin? Non, pas du tout. Mais si, l'enlèvement, mais si, la voiture, un cliqueur. Bonjour, Tétio Zara. Je m'étais acheté un top, il était trop canon. Donc, avez-vous vu comment s'est passé l'enlèvement? Bah, il y avait 3 gars, enfin, ils étaient genre trop beaux, quoi. Trop bien habillés, mais sauf un quand même. C'était bien? Bah, genre super eu, quoi. Tu vois, genre, La honte. Ah, ouais. Ça s'est passé comme ça. Arrêtez, ma coiffure, attention. Non, mes maillots, attention. Arrêtez, vous allez me coiffer. Thank you.
merci beaucoup, mademoiselle. De rien. De rien. Au revoir. À bientôt. Alors, nous n'avançons toujours pas dans l'affaire. C'est pas grave, on va trouver d'autres indices avec d'autres témoins. Allez. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Clarisse. Lucie. D'accord. Avez-vous entendu parler de l'enlèvement qu'il y a eu ce matin ? Ah ouais. C'était trop dark. Trop dark. Vous l'avez vu ? Ouais. Que s'est-il passé ? En fait, c'est la mort qui est venue avec sa grande robe noire. C'était trop dark. Trop dark. Elle avait sa faux aussi dans l'autre main. Elle a chopé le gamin. Elle l'a mis sur le toit de sa voiture noire. Elle l'a attaché avec de la corde. C'était trop dark. Trop dark. Ça va, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être sa tante. D'accord, merci beaucoup à vous. Au revoir. Hugo, t'es déjà là, toi ? Ouais. C'est maman. Je suis au courant de tout. D'accord. De l'événement qui a eu lieu ce matin. Oui, je suis au courant de tout, que j'ai un implant aussi. J'ai une connexion extérieure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, j'étais au KLM. J'étais au KLM, au bord de la fenêtre, tranquille, en Skype, en snipe. J'ai vu les deux Kikou qui ont spawn trap le newbies. Ils l'ont mis dans le coffre et j'ai vu la voiture se barrer. Ah ouais, j'ai adoré. Hein. C'était trop WTF. Hein. Il a fini, il était en PLS dans le coffre. C'était de la mort. Ah bon. Bon bah, vous direz merci à votre mère pour les biscuits et au revoir. Maman. Alors nous sommes à l'école maternelle pour voir si quelqu'un sait quelque chose. Le petit garçon a été dans une licorne et le petit garçon était dans le Père Noël. Sur le Père Noël. Nous n'avançons toujours pas sur l'affaire de l'enlèvement du petit Kevin. Chaque témoin a une version différente des faits. Nous allons devoir donc quitter le terrain. Oh, il y a de nouveau. Suivons-le. Allez.
alors nous avons... Non, c'est moi qui l'ai dit. Vous avez des indices? Non, juste le nom. D'accord, merci beaucoup. Votre aide va être très... J'ai oublié ton truc. Mais non, vas-y, elle me parle, je comprends. Bonjour, c'est la télé. Bonjour. T'es déjà là, toi? Bah, qui c'est qui t'a ouvert? On entend la voix qui dit, bah, c'est maman. Ah, et moi, je fais, maman! Action. Le petit garçon a... Non, mais c'est que dans mon cerveau, j'arrive pas. J'ai un truc en Bluetooth qui a été greffé à l'intérieur de mon oreille. J'entends tout. J'entends tout ce qui passe dehors. Non, là. Parfait. 3. Bonjour, nous sommes à Seb sur Terre. Pourquoi? Ça vous pose un problème? Excusez-moi, quels sont vos prénoms? Clarisse, Juliette. Non, mais. Ça s'est passé comme ça. Coupé.